Sur les réseaux sociaux, les gens ils se voient, ils commentent, ils se parlent, mais ils ne se voient pas. Donc c'est une occasion pour nous de rapprocher les jeunes. C'est notre manière de participer au développement du pays. Malgré qu'on n'est pas d'abord accompagné par l'État, et là je profite de votre micro pour lancer un appel à l'État de nous accompagner parce que c'est très très important parce qu'on le fait pour le pays. Une équipe très offensive, mais nous on a joué vraiment, on a donné à la défensive, on a su garder le cap jusqu'à la fin, on a tout donné. L'objectif recherché, c'est l'envie de venir jouer, parce qu'il ne faut pas rester aussi derrière les claviers. L'essentiel c'est de venir se voir, se frotter. En regardant les matchs, j'ai eu pas mal d'idées et ça reste secret pour l'instant. Mais en tout cas, il faut soutenir les organisateurs parce que c'est très important ce qu'ils sont en train de faire pour les jeunes filles et elles avaient besoin de ça. Et le fait de soutenir ce tournoi, félicitations à Dr David qui est là pour la jeunesse guinéenne.